Salut tout le monde! Allô, oui, je vais faire le cold open. Alors, cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Alors, allez sur leur site erosetcompagnie.com et utilisez le code promo RAIS15, R-A-I-S-15, pour 15% de rabais sur l'ensemble de la boutique en ligne. Oui, bon, OK. Le 13 septembre prochain, on est au Festipod. Ça se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Là, tu payes un billet puis tu as accès à trois podcasts. Il y a la cabine d'essayage des pile-poils, il y a Décidéré et Rire, c'est gay avec Justine Filly et Charlie Morin. Billet disponible au festipod.com et faites vite car les places sont limitées. Je sais pas, Murphy, si tu vas être là, mais on s'en jasera. Le 13 juin, on est au Festipod, la Maison de la Culture Maisonneuve dans Hochelaga. Un seul prix, trois podcasts. Alors, il y a la cabine d'essayage des pile poils, il y a Décidéré et Inségué avec Justine et Charlie Morin. Là, billets disponibles au festipod.com. Faites vite, les places sont limitées. L'autre, il est sous son sel. Non, mais quand il n'y a pas. Depuis qu'il n'y a plus la toune, je suis capable de trouver une. Il est sous son sel, il est comme. Ben, il est comme, ben, d'après moi, ça commence bientôt. Non, mais écoutez. C'est pas là que tu vas trouver la réponse. J'en allais chercher ma chronique. En plus, hier soir, j'avais une idée de joke. Mais je l'ai oublié. Mon Dieu! C'était excitant, ça. C'était comme ça. OK. C'est ça... comme, ah, c'est bon, ça. Ouais, je vais faire ça demain. Il dit, ah, c'est bon. C'est bon. C'était par rapport à quoi, tu sais, juste? Ben, par rapport à, tu sais, une phrase, comme je dis une phrase, je vais vous faire blablabla. Une chance qu'on n'a pas cette discussion-là en onde. Ben, imagine. Oh! OK, OK, c'est ça, là, il semblait aussi. Oh boy, OK, ben oui, je comprends maintenant. Salut tout le monde! Uh-huh. Salut Julien! Hey, une belle gang de gars! Ça va pas bien, hein, à ce niveau-là. Les hommes? Oui, aussi. Les hommes, ouais. Ça va bien. Les hommes vont très bien. La présence de femmes, moins. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'on veut pas, là. Émilie est vraiment occupée. Mais là... Elle est occupée, elle est en train de faire un escape room à Tokyo. C'est l'été. C'est l'été. Ah oui, ça. L'été, ils sont en bikini en train de se faire bronzer. Bon, hey, j'aurais dû casser avec ça. Mm-hmm. De toute façon, les femmes, ils n'ont pas le temps d'être ici. Ils sont aux Olympiques en train de faire semblant qu'ils sont des hommes. Ah! Oui. Oui, j'ai suivi ça. Parlant d'hommes aux Olympiques, avez-vous vu les lanceurs de marteau canadiens? Non, qu'est-ce qu'ils ont? Cet après-midi? Oh là là! Ils sont chauds. Oui, non, attention, quoi? Là, oui. OK, attends, développe ça, là. Les lanceurs de marteau, c'est plate, on n'a pas l'habitude, il y a le laptop à Niquette ici qu'on aurait pu les voir, là, oui. Mais ils sont vraiment beaux bonhommes, là, tu sais. Oui? Oui, ils ont, ils ont les gros gars? Les... Oui, ils ont les beaux cheveux longs, ils ont une moustache un peu comme Maxime, mais encore plus fournie. Canada Olympique. Puis là, ils viennent gagner l'or, mais comme de 5 mètres d'écart. Mais t'as entendu que le présentateur, il avait ma voix? Lui, ce gars-là? Ben oui, check ça, le beau bonhomme. Puis check l'autre. Mais il faut voir le team, les deux ensemble. Ce gars-là. Il vient d'un flag. Checkez-moi ça. C'est ça, il a l'air d'un barman à l'espace. C'est vrai. Il d'un micro-brasseur. Il n'y a pas l'autre. Parce qu'il était un team. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Là, toi, tu regardais ces beaux hommes-là, puis tu disais, wow. Oui, puis il avait l'air super sympathique, tu sais. Hey, moi, là, c'est l'ensemble, là. C'est pas juste. Eux autres, là. Oui! Moi, j'avais... Il n'y a pas l'autre. Moi, j'avais... Cet après-midi, j'avais enregistré les commentateurs du lancer parce qu'il y en a un qui a ma voix. Fait qu'on va écouter, voir. Non, j'ai pas remarqué. Ah. Mais j'avais la clim qui faisait du bruit. Mais ils sont deux, là. C'est lui qui a dit que c'était incroyable. Mais il va parler plus dans pas long. Ah! C'est lui qui a dit que c'est une zone dangereuse. Genre, il est du fort. Ben oui. Il a un peu ma voix. Ben, j'entendais pas. Un petit peu. Non, mais en tout cas, quelqu'un m'a écrit pour ça.
Ah. Fait que là, je suis allé le trouver. J'ai enregistré un bout avec mon cellulaire. Puis j'ai comme... Ouais, ça ressemble pas de temps. Mais elle t'a dit... Ça serait drôle à désirer. Puis, ben, ça a été bon. Hein. Ben, le public sera le juge si c'était drôle ou pas. Mais moi, la médaille d'or, ça revient au Turc de 51 ans qui a gagné la médaille d'argent au shooting. Ah oui, au tir, oui. Avec une main dans les poches. Ouais. Moi, à date... Ce gars-là, là... Il a une main dans les poches. Non, il vieillit bien. Moi, à date, ce que je vois passer de Snoop Dogg, ça me fait bien rire. Là. Oui, je pense aussi, que c'est un matin qu'il est arrivé à la compétition équestre, habillé en jockey. Puis là, il arrive. T'sais. Il fait toujours la danse, le crip walk. C'est comme pourquoi qu'il est là tout le temps. Il est parfait. La fille qui demande de parler en français. Genre, ah oui. Vive les Jeux Olympiques. Vive les Jeux Olympiques. Vive les Jeux Olympiques. Blé, 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 blé. Mais là, avant qu'on aille plus loin, là, je veux juste. Parce que là, ça sonne un peu transphobe au début. Puis les gens qui vont écouter ça plus tard n'auront peut-être pas le contexte. Oui, c'est vrai. Je veux juste dire, oui, c'était vraiment mal amené, là, c'était mal formulé, mais c'était par rapport à la controverse, ouais, la fausse. Tu moquais des gens qui avaient réellement. Oui, je me moquais des gens qui se moquaient de la femme qui est une femme cisgenre et que Elon Musk puis J.K. Rowling puis Logan Paul et tout ça, les cons habituels. qui disait que c'était une femme trans, puis anyway, la femme, c'est une femme cisgenre, puis de toute façon, je pense même que, anyway, les femmes trans sont des femmes et peuvent très bien combattre. Là. Fait mais que, c'est qu'en plus, on n'est même pas rendu là, comme tu le dis. Ben c'est ça, on n'était même pas rendu là, anyway. Elle est femme. Exact, c'est ça. Il n'y a même pas lieu à avoir de débat. Fait qu'on est rendu où est-ce que... Nous, on est là, puis on regarde ça, puis on est comme deux femmes qui boxent aux Jeux olympiques, puis eux, les conservateurs, sont là, puis sont en train de débattre sur la binarité du genre. Puis nous, on est juste comme... Turquie, là. On est comme, ben, êtes-vous en train de réaliser que les genres sont plus fluides que vous le pensiez, finalement? Puis là, il y a Snoop Dogg d'exemple jockey. C'est sûr. Mais, les Olympiques, hein? Ça soulève les passions. J'écoute ça quand même pas mal. C'est détendant. Moi, je suis allé à ces Olympiques. Ça te donne-tu le goût de faire un peu de sport? Si tu avais à participer à trois disciplines olympiques, ce serait lesquelles? T'es obligé. Ouais, t'es obligé. Il faut que tu fasses trois disciplines olympiques. Le rugby. Ouh, quand même! Chris, mon gars! Le rugby! Il y a beaucoup de protection au rugby! On dirait des frigidaires qui se battent. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça que j'irais là. Oui, ben oui. Okay. Moi, je suis comme le petit congélateur en haut. Là. Oui. Je me joue une haltérophilie, puis... Oui. Définitivement. Définitivement, là, puis... Beau choix ambitieux. L'aviron! Oh! OK. Sur la scène. Je n'aurais pas pu en deviner aucun. Tu pourrais faire le lancer du marteau, là, Nicolas. Il était bien fan. C'est pas donné à tout le monde, comme on l'a vu. Ah, là, Nicolas me trouverait beau, enfin. Ouais. Je ne penserais pas. Non. C'est pas le marteau qui rend beau, là, c'est eux. C'est pas le marteau qui rend déjà beau. Vous l'avez apprécié du marteau. De la voix de Nicolas Fournier-Larocque, comme on va dire ce matin. Oui-même. Très bien. Il sort d'une belle vague de chaleur. Ben là, on en est déjà sorti la semaine où ça part. Tes initiales, c'est NFL. Ben oui. Wow. C'est vrai? Ben Nicolas Fournier-Larocque, NFL. C'était quoi le F? C'est fucking. Fuck. Nicolas fucking Larocque. That's it. Ah ouais. NFL. C'est lui qui devrait faire du rugby. Oui. J'ai avec moi aussi le gars qui a le plus l'air d'un ballon. Maxime Gervais. D'un ballon? Ouais. D'un ballon? Ben, tu sais, une grosse... Beau de ruche vide, là. Une tête sphérique. C'est sûr que j'ai une tête très sphérique. Plein d'air, là, ouais. Tu sais, on a fait notre premier show, les petits trous de balle au Quai des Brumes, mercredi dernier, toute une soirée. Puis là, on avait engagé quelqu'un pour filmer. Puis là, il m'a envoyé la vidéo. Puis là, je checkais, il y a souvent des gros plans sur ma tête. Là, je suis OK, j'ai vraiment une tête de bonhomme, là, une tête ronde de monsieur qui a chaud. Oui. Puis j'ai pas eu ça, voir ça. OK. Moi, j'ai dit, ça y est. Tu parais mieux que des annonces à la TV. Oui, que je fais. Vous l'avez vu gratuitement. Oui. Ma conjointe a pris des photos, hein. T'en verras ça. Et on a avec nous Murphy Cooper. World famous. Absolument. Oui. Je suis pas là aujourd'hui. Je me sens amorphe. Puis je suis comme. Je suis pas toute là. Okay. Tu devrais être animorphe. Ah oui, ben oui. Et là, ça a commencé très mal parce que là, je me sens mal pour
la mauvaise formulation que j'ai employée tout, au début. Tout le monde a compris ce que tu voulais dire, Murphy. Oui, ben, j'espère. Ça veut dire comme je viens zone de blague, fin de zone de blague. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, c'est parce que là, vous avez enchaîné. Puis là, j'étais comme, oh non. Puis là, j'étais comme, fuck. Faut que je reprenne le. Puis là, j'étais comme, Mais là, tu sens-tu que t'as. Les gens savent très bien. Ils savent, à moins qu'on fasse un montage juste du début. Si tout le monde prenait pour acquis ce que je dis ici. Non, mais c'est parce que c'était vraiment mal formulé. Là. Puis là, j'étais comme, oh. Mais là, admettons qu'il y a encore des gens qui sont pas sûrs de ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que. je pense que c'était sûr. J'ai juste dit les femmes qui font semblant d'être des hommes aux Jeux Olympiques. C'est même pas. Ça visait même pas un groupe en particulier. C'était un. Anyway, puis. Ouais, ok, si tu vois ça. Je pense qu'on a. Je suis là, puis je suis comme. Je pense que je vais revenir juste au deuxième match. Là, tu vois, au début, j'avais. Là, je suis sûr. Je suis rouge, là. Là, je suis rouge. Je suis pas bien. Là. Déjà, ben j'étais pas bien. J'étais pas bien avant de m'en venir. Là, je suis comme. Tout va bien, Murphy. Là. Ouais, Murphy. Joe, peux-tu rajouter comme de la sueur dans sa face au montage? Pauvre Murphy. Là, repose. Détends-toi, on est entre amis. Oui, détends-toi, Murphy. Bienvenue à Décideret. Non, bienvenue à Décideret. J'ai déjà fait ça. Ah, OK. Okay. T'as des t-shirts avec ta face, moi aussi? Oui, avec oui, mon... très beau, hein? Oui, je l'ai même dédicacé. Ouais, moi, j'ai mon t-shirt de Paperwork. Ah! D'ailleurs, je vais être au marché Flo le 24 août. Et après ça, je vais être là en permanence. Ben, pas moi physiquement, mais mes vêtements vont être au marché Flo. À partir du 24 août, mais le 24 août, il y a de 11h à 16h, je vais être là, il va y avoir un meet and greet sur Saint-Denis. Le marché Florence. Okay. Merveilleux, on va aller voir ça. Hey. On va débuter, les amis, avec votre moment chouchou de la semaine. Oui! Évidemment, le cadeau est Eros et compagnie. Parce qu'il nous commandite. Oui, Eros, oui. Ils nous commanditent. Alors, si vous allez sur le site de Eros et compagnie et vous tapez le code RAIS15, RAIS15, ça vous donne 15% de rabais sur votre commande. Puis, il y en a pas mal d'affaires sur le site web. Puis, cette semaine, les amis, je ne sais pas c'est quoi, car c'est un cadeau de la part de Maxime moi. C'est ça. Pour cette ronde-là de produits Eros, tout le monde se choisissait un produit, on se le choisissait nous-mêmes. Mais là, Julien et moi, on a décidé de s'en offrir pour l'effet comique, on se mentira pas. Oui, fait que Julien, j'ai un beau cadeau, un beau produit Eros que je suis très heureux de t'offrir. Je pouvais pas passer à côté. Attends, Niquette rire. Ouais, c'est très rassurant. Je faisais défiler les possibilités, puis quand je suis arrivé là-dessus, on dirait que ça a tout battu. J'étais comme, c'est sûr que c'est ça. Là. Okay. Fait que bon, ben voilà. Alors, ben voilà. J'espère que tu. Ben voilà, effrayé et aguiché. Donc là, c'est un produit qui crie Julien. Ah oui, tout à fait. Moi, je sais pas encore c'est quoi, là. Alors, c'était clair que c'était pour toi, là. Tu vas aimer ça, je pense. Ah, c'est. Alors, ce sont bien sûr. Non! Ce sont bien sûr, en tout cas, des Dockers, soit des sons du rétal. Ah, ouais. C'est un kit d'introduction, en tout cas, je veux dire. Ben, je vais les essayer. Ça va en grandissant. C'est le kit d'initiation à la sonde urétale. Mais la première est déjà énorme. Ils sont en forme de long pénis, t'as-tu vu? Ouais, ils sont en forme de pénis, oui. Ce qui me fait penser à ma chronique, c'est comment ça s'appelle déjà, un pénis d'un pénis? Le doc. Du docking. Ah, mais ben c'est la, ça. La sonde urette. Dans le fond, c'est pour ça que ça s'appelle du docker. Donc, ça serait de la sururette. Ouais. Là, y a-tu des petites affaires à lire en arrière là, pour nous en dire un peu plus sur le produit? Ben, c'est en silicone de premier choix. Ben là, je traduis, là, c'est en anglais. En silicone de premier choix, trois formats graduels. Oh, wow. En forme de pénis. Y a carte. Ça n'a pas de. En forme de. Et c'est l'idéal pour l'entraînement urétal. Sonde urétale. Ah bon, là, bien traduit. La sonde urétale. Les sondes urétales sont conçues pour vous donner du plaisir de par l'intérieur de votre urètre.
Oh! À utiliser avec précaution. Hey, je peux-tu l'ouvrir pour y toucher? Je serais curieux. Oui, mais là, je lave après. Maxime, c'est que j'ai vu que tu avais l'air d'apprécier énormément ce produit-là. Fait que mon ami Louis a bien accepté de te donner à toi aussi un deuxième kit de sonde. Les deux bons amis. Ça en fait beaucoup. C'est des sondes urétrales, il faut le prononcer comme il faut. Là, urétral. Ouais, fait que, là, non, mais en anglais, en français, c'est urétral. Ah oui? Oui. Oh! Mais c'est l'urètre. Hey, mais c'est pas bon. Mais c'est Noël. Fait que là, moi, j'ai une cage. Moi, j'ai une cage. Bah là, écoute, tu me fais douter. En tout cas, qu'importe. Je suis curieux de... Je vais prendre la plus petite. Oh, OK. Mais même la plus petite. Oh! Oui. Ouais, mais là, c'est dans tes... Puis là, c'est ça, c'est que tu peux y aller... Tu peux y aller progressivement. Toi, Murphy, tu débuterais avec le plus gros. C'est même nervuré. Non, non, j'irais avec le plus petit. C'est des pénis turgescents, là. Il y a vraiment... Attends une minute. Il y a des veines. Je peux-tu essayer? Je peux-tu t'essayer? Oui, il insiste. Fort ou pas fort? Comme tu sens. OK. Pas super. OK. Bon. Avec la plus grosse. Ah, mon sein! OK, là, donne-moi mes sons du jeu. Ben, pour se donner des petits coups, c'est drôle. Je peux-tu donner un coup de son? Ça, j'avoue. Ouais. Oui? Ben, je t'en ai eu. Ça va, ça. Ouch! Ouais, c'est ça, ça fait mal! Je pense qu'il m'a pogné au bon endroit, c'est pour ça que ça n'a pas trop fait mal. Ah! Okay, ça fait mal, hein? Puis encore la trace! Décidément, on peut tout faire avec ben ça! Oui. Alors, c'est. Mais là, on va les traîner partout. Mais toi, oui. J'ai juste le fessé avec un pénis, oui, vas-y. Qui est dans le plus dans le BDSM, c'est clairement dans la douleur, le plaisir, parce que moi, de ce que je comprenais, c'est que ça fait très, très mal. Rentrer quelque chose dans l'urètre. C'est en forme, justement, d'entraînement, puisqu'il y a trois formats différents. Donc, tu débutes avec le plus petit, et comme c'est indiqué dans la petite carte, à utiliser avec précaution. Ça, heureusement qu'il précise, parce que je vais rentrer ça d'un coup. insérer la sonde dans l'urètre. Là, on l'insère par le gland, là. Non, mais ce que ici, il y a les testicules. Mais en fait, les testicules, je pense que la fonction, c'est d'empêcher que ça se perde dans le canal. Ouais, mettons que tu te pètes. Si tu vas trop loin. T'en vas à l'hôpital. Puis, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je veux pas le dire. Tu sais, ça ressemble un peu à mon pénis, là. Ouais, toi, ben, mettons, tu coupes les deux tiers, là. Ouais, moi, mettons... Tu coupes les deux tiers, t'as le pénis à max. Mais pensez-vous que dans l'immensité du monde vivant, tu sais, dans la variation infinie, oui, qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un pénis comme ça? Ah oui. Ou qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'humanité? Ben ça doit être, je veux dire... Ben c'est qu'il y a tellement de variations. Ben, la Terre a porté 16 milliards d'âmes. Prochain party, Julien, on va amener nos sons urétrales. Ah, on peut! C'est beau, hein? T'es-tu content? Je suis très content. T'as même pas l'air content. Non, je suis très content, c'est juste que je n'avais déjà. T'en avais déjà? Non, mais parce que... Quoi? C'est comme à Noël quand t'as déjà eu le cadeau. Là, toi, là. Nintendo 64, j'ai déjà un. J'ai déjà le mix de Pulp Fiction. T'en as déjà des sondes? Non, mais je pense que... Non, là, qu'est-ce que tu penses, là? Ce que je pense, c'est que ça fait longtemps que ça traîne chez nous. Je pense que c'est dans une capsule que j'ai faite avec Joanie. Je pense qu'elle m'avait donné ça. Ben, t'as donné ça, puis t'es jamais mais utilisé. Ça veut encore plus dire que ça crie Julien. Ben, j'ai pas dit que j'ai jamais utilisé. Là. Hey, là, si ça fait deux fois que les gens t'offrent ça... Hey, moi, j'ai même pas encore testé la cage à pénis. Hein. Mais j'ai essayé de mettre le bout du petit. Puis, ça rentrait pas? Ben, je vais arrêter, là. T'as arrêté où? Combien t'as rentré? Bon, là, regarde. Bon. Non, mais mettons. Non, mais mettons. Plus un centimètre ou genre... Parce que ma mère, elle écoute le podcast. Hein, ta mère, elle écoute le podcast? Ouais. Ah, oh, OK. Fait que j'irais... Okay. De ça? T'as essayé. Mais tu sais, je m'en souviens plus. Je pense que j'étais sous. Ça dit-tu que c'est correct d'opérer sous, ça, je pense? Non, que ça, je pense que tu fais ça. Ça, vous utilisez ça à jeun, je viens bois plus, là. Ben, comme ton... Vous utilisez ça à jeun, là. Ouais. C'est ça. Comme ton grand-père. Comme mon grand-père, oui. Il était bien à jeun, quand tu fais. Hey, mais je m'attendais pas à en avoir aussi, hein. Ah, c'est le fun.
On a toutes. Ouais, ça fait une décoration de bureau. Non, mais ça m'en fera plus. En plus, c'était pas le même format, celui que j'avais, par exemple. Ah, okay. C'est pas exactement la même affaire. Fait que là, moi, je reviens chez nous avec un kit de son d'urétal. Hey, pour vrai, ma table de chevet est rendue kinky. Là. J'ai ma cage à pénis qui traîne là-dedans. Je vais avoir mes sons d'urétral. Okay. Urétal, hein? Urétral. Ouais, on le sait plus, hein? Tant pis. Hmm. Alors voilà. Eros et compagnie, le code REIS15, R-A-I-S-15, vous donne 15% de rabais sur les sons d'urétal ou sur d'autres produits de votre choix. Il y en a qui sont, il y en a qui sont moins colorés. Oui, c'est ça, il y a des trucs, des trucs t'sais, plus vanille, smooth, le fun. Oui, parce que nous, on veut vous amuser, là, mais ben il y a du stock vanille. Là. Hey, ben, ça donne des bons coups. Ça donne des bons coups, c'est arme. Sûr. C'est une bonne arme. Les traces. Moi, s'il y avait un. Ah, excuse-moi. Moi, s'il y avait une invasion de zombies, là, j'aurais mes sondes urétrales. Moi, s'il y avait une invasion de zombies. Oh. Oh. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors. Est-ce qu'il y a encore les. Tu sais, mec, tu vas pas t'expliquer ça à Marianne. On voit presque le petit. Oui, ben. Mais Master Series, en plus, c'est intéressant. Demain. Nicolas. Ferme-la, parce que c'est ta chronique. Oh! Quel enchaînement! Savoir absolu, ultime, complet, éternel. Je vais essayer de faire aussi beau enchaînement que ça. En revenant sur Murphy un petit peu, tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, là, j'ai réalisé ce que j'avais dit, mais on est passé tout de suite à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passait dans ton esprit? Ça me revient ce qu'il a dit, mais juste j'étais comme... Tout de suite, j'ai su, parce que, tu sais, déjà, je savais qu'en ce moment, je ne suis pas au top de... Mon esprit n'est pas aussi vif qu'habituellement. Puis là... Quand je suis venu pour formuler ma phrase, j'ai fait que ça, c'est quand je suis en état de pas d'anxiété, mais tu sais, je le sens là, que mes mots sortent pas aussi comme d'habitude. Puis là, ça a fait comme... Puis là, j'ai fait comme... fuck. Je pense que... Puis là, dans ma tête... Mais ça, c'est ça, dans ta tête, qu'est-ce qui se passait? C'est ça, mais ça s'est mis à tourner. Puis là, j'étais comme... Hostie, que j'aurais pas dû venir aujourd'hui. Fait que là, parce tu que disais ça normalement, en mots dans ta tête. Ouais, hostie, j'aurais pas dû venir aujourd'hui. Ouais, parce que normalement, je sais que je suis capable d'aller chercher plus de mots, je vais moins bafouiller, puis j'ai accès à un plus vaste vocabulaire. Oui, là, c'était comme, on dirait que c'était comme très basic, puis ça a sorti genre comme, arc, qu'est-ce que je viens de dire là? Puis là, tout le long, ben là, moi, je vous écoutais parler, puis là, j'étais comme, puis là, j'essayais, puis là, c'est comme... Non, mais arrêtez, là. C'est un là, sport c'est... extrême, le podcast, des fois. Le contenu, c'est pas important pour ma chronique. Ce qui est important, c'est le phénomène que tu as eu pendant que tu paniquais tout seul, c'est que tu te parlais dans ta tête. Oui, le fait que moi, c'est je pense avec des mots et j'ai une voix interne et pas des images. C'est ça ta chronique? Ouais. L'endophasie. L'endophasie, c'est de se parler dans la tête. Puis avant, c'est quelque chose qu'on pensait, parce que tu sais, on vit avec ça constamment. Tu sais, tu as tout le temps quelqu'un qui te parle dans la tête. Ben puis, oui. Tu sais, ça peut devenir obsessionnel, ça peut devenir malsain. En ce moment, ça dit « c'est plate ». Voilà, exactement. Tu sais, chacun a son petit chose dans la tête. Là. Oui, oui, oui. Mais pendant longtemps, on pensait que, avec raison, que c'était universel, tu sais, que tout le monde avait ça. Mais là, on réalise, avec de plus en plus d'études en psychologie, en neuropsychologie, puis en psychologie expérimentale, que c'est peut-être pas le cas, en fait. Que c'est pas tout le monde, que cette petite voix-là, qui peut être parfois drôle, parfois agaçante, parfois, tu sais, même faire des voix de personnages, ou faire des chansons, ou entendre un peu de la musique. Entendre la musique? Ben oui, on peut chanter dans sa tête. Tu sais, quand t'as une toune dans la tête, Je chante tout, moi, tout le temps. C'est comme si t'entendais la toune. Toi, tu chantes tout haut tout le temps, tu t'imposes ça à tout le monde. Ouais, ben, je chante bien. Il y a une étude en 2024 de Psychological Science de Nedergaard, qui était linguiste et Lipian, un psychologue. Puis, ils ont réalisé qu'en fait, c'était beaucoup plus un spectre, comme les genres, qui allait de 0 à 100%. Donc, des gens qui en entendent vraiment, vraiment beaucoup toutes les finesses, dans tous les détails, qui c'est même pour leur cerveau presque indistinguable d'un vrai son. Ah oui? Oui. Et d'autres que pas pantoute. Ils sont comme muets mentales. Ouais. Ils sont pas capables... Se parler toi à soi-même, t'as rentré là-dedans? Non. Parce que c'est la même chose. Non, c'est se parler à soi-même, mais le fait que ça soit toi, il y a quand même des petites différences. Puis c'est dans ces petites subtilités-là que je vais vous parler de la différence justement avec l'endophasie, cette capacité-là à se parler dans la tête, puis l'anandophasie, qui est là l'incapacité d'avoir cette voix-là dans la tête. Puis on réalise que ça,
rend certaines tâches un petit peu plus difficiles. L'étude, c'est quand même assez limité parce qu'on ne pouvait pas voir dans le temps et l'espace sur la régulation, sur les impulsions, sur la réflexion, qu'est-ce que ça faisait. Mais ce qu'ils ont pu voir concrètement, c'est que les tâches qui font affaire avec des mémoires de travail, là, l'espèce de rame du cerveau, oui. Ben là, ça nuit. Tu sais, quand quelqu'un te dit un numéro, puis là, tu répètes le numéro dans ta tête, oui, pour ne pas l'oublier, ben là, si t'as pas ça pour te répéter dans ta tête, ben tu l'oublies. Mmh. Oh, je comprends. Je comprends. Ouais. Fait que c'est super difficile à évaluer parce que c'est hyper subjectif. Non, c'est, fais plus ça, fais plus ça. Hyper! C'est très subjectif. Charles Beauchesne, ça. Ah oui, c'est vrai. On a le Charles Beauchesne qu'on mérite. Hein. Ouais, c'est ça, je suis le Charles Beauchesne des pauvres ici. Puis on est seul dans notre tête. Puis c'est d'ailleurs un des troubles de cette voix-là, parfois, qui est agaçante, c'est qu'on est pris avec, tu sais, on n'a pas moyen, ouais, d'y échapper. Et c'est fascinant, justement, de voir comment, tu sais, quelle forme ça peut prendre de ne pas avoir ça, tellement elle fait partie de notre quotidien depuis, mm-hmm, qu'on est tout petit. Fait que c'est sûr que pour l'utilité, déjà, on le sait, comme je vous l'ai dit, que pour la mémoire de travail, tu sais, comme avec la récitation intérieure, ça fonctionne. On suppose que ça aide aussi pour la planification future. C'est pour ça que je me parle dans ma tête, finalement. Tu sais, c'est ça, quand tu prévois, bon, c'est que je vais faire en fin de semaine, ma journée, structurer ma prochaine heure. Exactement, exactement. Donc ça, on ne sait pas encore, par contre, c'est très difficile à évaluer, tu sais, si ça a un impact. On ne sait pas encore si les gens qui ont l'endophasie, s'ils sont moins bons pour planifier leur journée, ouais, pour, ouais, prévoir leurs activités. Je veux, vas-y. Ça vous arrive-tu des fois que, mettons, tu te remémores un moment honteux, puis là, tu vas laisser échapper juste un genre de... Ah, oh, tabarnak, pourquoi Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu te remémores, ouais, de quoi, puis tu peux pas... Puis là, tout ça se passe dans ta tête, mais à un moment donné, c'est comme si la porte, elle ouvre de la voix, tu sais, qui sort. Ouais. Puis là, je me dis, si quelqu'un me voyait, c'est comme je suis assis, puis là, à un moment donné, je fais... Ça m'est arrivé sur le pont. Oh! Cette semaine. Parce que... Les aventures sur le pont, mes préférées. Parce que, je vais pas trop prendre de temps, là, mais parce que mon téléphone surchauffe quand il fait trop chaud, dans les, mm-hmm, températures extrêmes, puis là, il faisait vraiment trop chaud. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je retourne en dessous du pont, attendre qu'il refroidisse. Mm. Puis là, je remontais, mais là, en même temps, j'avais mon Bixi, fait que là, il fallait que je me dépêche pour pas... Parce que t'as juste 45 minutes de location. Fait que là, il fallait que je retourne jusqu'à... J'étais genre sur la frontière de Verdun puis l'île des Sœurs. Fait que là, il fallait que je rentre dans l'île des Sœurs, aller parker mon Bixi, attendre une minute, revenir sur le pont, attendre que les gens passent. Parce que, tu sais, des fois, je le fais devant les gens, d'autres fois, non. Mais c'est parce que moi, je crie littéralement. Puis là, à un moment donné, tu sais, je me parlais vraiment moi-même dans ma tête. Puis là, j'ai fait comme... tabarnak que les gens sont crétins. Puis là, il y a un dude, mais c'est parce que je voyais personne, il y avait personne qui s'en venait, mais il y a une pente, puis il y a comme une espèce de petit chemin, un petit chemin qui s'est comment qu'on appelle ça, là, peu importe. Là. Puis là, les gens... Ligne de vie, là. Ça veut dire les chemins que les gens qui créent. Ouais, c'est ça. Puis là, j'avais oublié ce petit chemin-là, c'est comme un raccourci, que les gens montent par là, puis là, il y a un monsieur qui montait en même temps, puis là, j'étais comme... Oh. Puis je l'ai dit quand même assez fort, parce que je suis sur l'autoroute. Puis ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup, tu sais, quand t'es à Montréal, il n'y a pas beaucoup d'espace, même en appartement, où est-ce que tu peux, tu sais, juste parler fort à voix haute, puis tu sais, comme juste pester contre quelque chose. Genre. Mais quand je suis sur l'autoroute, là, je suis comme... Puis là, des fois, j'échappe des espèces de... Asti que les gens sont caves, mais tu sais, c'était parce que tu sais, c'est même pas de leur faute, là, ils créent une piste cyclable, c'est moi qui est cave, là, c'est pas eux autres, mais c'est ça, je me suis fait prendre. Ouais. C'est comme si notre dialogue interne finit par, genre, trouver une, ouais, une sortie. Justement, en fait, je vais te dire, avec tout ce qu'on voit dans la neuroimagerie, pourquoi, Nicolas, est-ce que ça se rend là? Ouais. Puis c'est que, déjà, dans les formes que ça peut prendre, ça peut être délibéré. Tu sais, consciemment, tu décides de te parler, tu décides de chanter, mm-hmm, une chanson. Ça peut aussi être non intentionnel, quand l'esprit vagabonde, tu sais. Puis ça, ce qu'on remarque, c'est qu'à l'imagerie, ça a révélé que c'est pas exactement les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand c'est intentionnel, que c'est très, très similaire aux mêmes zones du cerveau que quand tu parles à voix haute, que quand c'est non intentionnel, que c'est ton esprit vagabonde, là, c'est pas les mêmes zones. Puis, quand ton esprit vagabonde, t'as moins tendance à pouvoir, s'intégrer dans ta mémoire. Ben, comme un rêve. Longue durée. Ben, quand t'es juste, tu sais, des fois, tu zone out. Puis là, demande à quoi tu penses. Puis, Je pensais, Maxime, c'est tout le temps. Ça peut prendre des formes abrégées, condensées, dans lesquelles on simplifie énormément la syntaxe de nos phrases, on coupe les mots, mais
ça ne nuit pas à notre propre compréhension de ce qu'on se dit dans notre tête, même si on vient complètement saboter. Même certains changent des mots quand ils pensent, mais ça ne change pas le référent du mot au même concept. Mais parce que tu sais à quoi tu penses. Fait que c'est même ça, si tu dis pas en entier, c'est comme si c'est l'image ça. Accompagnait le. Parce non, que... ça reste encore est-ce une que... forme syntaxique dans laquelle okay. tu entends un. Ouais, ouais. Tu sais, Schlibi. Ah. Puis là, non, Schlibi, je sais que je parle du chat, mais dans ma tête, c'est Schlibi. Ouais, ouais. Puis... Mais comme dans des rêves, tu sais. Oui, tu c'est rêves ça. À quelqu'un d'autre, ouais, mais, tu sais que cette per... oui. mais tu sais que cette personne-là, c'est pas cette personne-là. C'est mais ça. Ouais, ouais. Ça peut être délayé aussi, ça peut être plus développé, plus riche que quand tu parles normalement. Ça arrive souvent des fois quand on peut s'imaginer discuter, puis là, on a l'air très intelligent, puis nos mots. Puis là, on parle. On peut faire des variations de personnages, d'accent, d'intonation, même de langage. Parfois, c'est drôle de penser dans un autre langage, dans son esprit. On peut encore faire des accents à cet endroit-là, au moins. Oui, puis même quand on fait des accents, on voit que ça vient chercher plus l'hémisphère droit dans le rapport aux autres. Vraiment comme si on créait un personnage, puis notre cerveau l'interprète presque comme un personnage. Puis on voit les activations du cortex auditif quand on a la voix interne moindre, mais pareil, comme si le cerveau le traitait. Et c'est quand même assez fascinant. Ben, c'est vraiment un épisode interne aujourd'hui. Voilà, oui. On rentre en soi. De toutes sortes de manières. Justement, c'est une très belle idée parce que c'est dans des hypothèses de... différentes utilités qu'on peut en avoir de l'endophasie. Ça peut être de se connaître soi-même, tu sais, parce que la conscience réflexive de se prendre soi-même comme objet, de dialoguer sur soi, à propos de soi, d'avoir des pensées sur ses pensées, ben ça, c'est vraiment la conscience de deuxième niveau qui se regarde. Moi, je me rends pas là. Je pense toujours aux autres. Au lieu juste celle du premier. Ça, par contre, il y a quand même des débats sur est-ce que cette connaissance de soi est vraiment effective ou c'est toujours une autre représentation de soi qu'on connaît. Puis ça peut même mener à une moins bonne connaissance de soi parce qu'on s'assigne des catégories, des mots sur nous. On dit « Ah, c'est vrai, je suis paresseux », tu sais. Alors qu'on est plus complexe que juste être paresseux, mais on se limite à cette boîte conceptuelle-là quand on met du langage sur ce qu'on est. En tout cas, ça, c'est un débat ouvert. Fait que ça peut permettre le renforcement, l'introspection, la censure, la motivation, la structure de pensée aussi, organiser ses pensées comme organiser sa journée. Tantôt, je l'ai dit. Puis tu sais, simuler des interactions, comme tu dis, quand on se rappelle des choses honteuses ou on se rappelle des choses qui ont bien été. Je pensais à quand j'ai dit que je me suis rentré dans le... Simuler l'orgasme. T'sais, l'anxiété, c'est qu'on s'imagine comment la situation future va tellement mal aller puis comment ça va mal se passer. Ça, c'est de l'anxiété. Puis que le pire, oui, voilà, va arriver. Ou tu sais, des fois, ben, tu sais, quand tu te crosses, là. Ouais. Puis là, tu viens, mais tu sais, t'es pas dans le. Ah! Tu sais, des fois, on dirait Ça, c'est que tu te crosses trop. Non, attends. Je m'en vais. Tu sais, on dirait que tu vas jouir vocalement un peu, oui, pour toi, mais pour l'autre, pour lui montrer comme aïe aïe. Mais tu sais, quand tu te masturbes tout seul, tu vis tout ça intérieurement. Fait que tu sais, c'est ta voix intérieure qui jouit. Tu fais jamais de son quand tu te masturbes? Ben, ça peut être plus des... Toi, Nicolas, ça arrive. Oui. Je fais pas des... Ah! Ben, mettons, quel son tu fais? C'est mes sons à moi. Ben, mettons, ça m'appartient. T'en disais un. Non, c'est mon jardin secret. OK. Moi, j'ai raconté ça, mais... Ouais. Ben, tu as souvent nos jardins secrets. Ben, je t'ai pas voulu en parler, en plus. J'ai raconté un bout, là, quand même. Un petit bout, mais... Ben, c'est ça, c'est un petit bout. Pas le bout qui est rentré. Mais donc, pour revenir à notre sujet, selon une étude de Russell Hurlburt, il avait fait un questionnaire de descriptive experience sampling, puis la fréquence de la journée à laquelle on consacre à notre voix intérieure, à se parler à soi, ça se situait à 23 %. Donc, on passerait un quart du temps de notre journée éveillée à se parler dans notre tête, à avoir cette voix-là. Oui, 23 % mais c'est la moyenne. Tu sais, ça peut aller, les gens peuvent trop se parler. Oui. C'est sûr que ça peut avoir des effets sur le comportement. L'étude dont je vous parlais, là, qui ont vu que ça nuisait un petit peu à la flexibilité cognitive, c'était 47 qui avaient répondu qu'il y avait une propension élevée à entendre des voix dans leur tête, 46 % qui avaient une proportion basse. Fait qu'ils ont vu une bonne différence dans la flexibilité cognitive. Ils leur montraient deux images de choses qui riment, que le mot rime. Le mot rime. Mais là, c'est juste les images. Oh. Et là, il fallait qu'ils disent, est-ce que ça rime? Oh. Fait qu'il fallait qu'ils... La manière la plus rapide, c'était de se dire le mot dans la tête. Tu vois un genou, puis tu vois un chou, puis là... C'est le temps de jouer à ça rime en crime! Puis là, ceux qui n'avaient pas de voix intérieure, ben il n'y avait pas cette étape-là. Fait que c'était beaucoup plus laborieux comme processus.
Et ça, c'est intéressant parce qu'ils ont vu aussi qu'une manière de supprimer cette voix-là, la suppression articulatoire qu'on appelle, c'est d'une part parler tout haut. Quand tu parles tout haut, ça enlève la voix. Mais pourquoi on désirait enlever la voix? Dire tout haut, c'est ce qu'on pense tout bas. Il peut y avoir une sensation, surtout quand cette voix devient antagonistique ou négative. Même si c'est des pensées intrusives, c'est pas la même chose. C'est des pensées intrusives, ça fait partie de l'endophasie. Ça fait partie de la voix intérieure. C'est une voix intérieure qui n'est pas voulue, mais qui est là pareil. Des pensées intrusives, c'est négatif. C'est ça. Se parler à soi-même dans sa tête, c'est positif. Non, c'est pas juste positif, se parler à soi-même dans sa tête. Il y a le côté négatif qui est justement des pensées intrusives. C'est ça, c'est qu'il y a, le revers, le côté obscur de l'endophasie, puis les pensées intrusives, c'est exactement ça. Fait qu'une manière de moins se sentir prisonnier, c'est d'exprimer ces voix-là à l'extérieur. Si je te dis « c'est plate » à place de le penser. Voilà. Fait que là, ça te fait du bien, sorti. Ouais. Puis une autre manière aussi, c'est par le geste rythmique musculaire. Tu sais, c'est de forcer la personne à faire un beat avec le pied, là, ça supprime la voix. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit chez certaines personnes qui ont des troubles anxieux, une tendance à, tu sais, faire ça avec la... Ça devient un tic nerveux. Puis c'est possible que ce soit un mécanisme pour... Les pensées sont tellement intrusives et incapables de les contrôler négatives que... Il y a une découverte instinctive que le fait de faire le geste... Ben moi, systématiquement, quand je vois quelqu'un qui a la jambe qui shake, il est stressé. Ben... Tu vois, moi, quand... après ça, il y a plusieurs raisons d'être stressé. Non, c'est pas grave. Ben après ça, ça devient un tic nerveux, tu sais, qui est hors du contrôle. Mais sur le coup, se peut que ça soit un mécanique de pour s'en sortir. Quand tu fais ça régulièrement, tu sais, fais attention à ça, parce que c'est... Parce que les autres voient ton langage corporel. Bon, les conseils du docteur Grenmolle. Oh, toi, là! Mais quand je tourne des vlogs, là, comme je suis très, très expressif là, avec mes mains, même quand je parle, tu sais, je suis très... mais quand j'ai juste mon petit micro, là, tu sais, puis que je cligne pas des yeux, les gens me le font remarquer, je cligne pas des yeux, mais je bouge, je suis un pianiste. C'est ce qui revient le plus souvent. Puis je pense que ça supprime ma voix. Ça m'aide à supprimer ma voix quand je parle, parce qu'avant, c'était ça mon problème. Quand j'allais à la radio, là, je choquais tout le temps parce que je m'écoutais trop parler. Ma voix était là en permanence. Parler, ça supprimait pas ma voix. Je parlais plus dans ma tête. Tu parlais plus fort presque dans exact, ta tête. Exact, oui, c'est ça. Puis là, on dirait que c'est ça mon truc maintenant. Ah. Puis ça a vraiment été ça. Fantastique, tu vois. Ça vient confirmer que tu avais des bons trucs. Les perceptions catégorielles, qui sont perceptions influencées par les catégories du sujet. Tu sais, comme c'est plus facile de distinguer un chat d'un chien que les différences entre des chats. Oh, ça semblait pas avoir d'impact pour ceux qui souffraient d'endophasie. Donc, les tâches rapides, ça semble pas interagir non plus, puisqu'on ça ne passe pas par cette conscience-là verbale. J'avais des exemples, on n'aura pas le temps vu qu'on veut finir. Mais ce qui est très, très difficile à imaginer, c'est justement de, tu sais, pour quelqu'un qui est emphatasique, tu sais, qui a pas... Tu sais, emphatasique, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir d'image mentale, qui n'est pas capable de se faire de représentation mentale de quoi que ce soit. Puis anandophasique, c'est quelqu'un qui n'a pas de son imaginaire dans son esprit. Donc là, c'est très difficile et il y a une chercheuse qui le décrivait comme étant muet mental. Hélène Lovenbrock, qui disait « Ces personnes pensent avec des mots, mais sans les sons. » C'est-à-dire que les phrases et les mots peuvent être là, mais sans la sensation articulatoire ou sonore. Parce qu'encore une fois, ce qui est fascinant dans l'imagerie, c'est qu'on a vu que tous les groupes musculaires liés à la voix, à la respiration, sont sur le bord de s'activer quand on parle juste dans notre tête. Le corps se fait comme « OK, je suis prêt. Ah non, juste dans la tête. OK, fine. Oh! » Comme même si vous, admettons, faites le tu sais, mettez votre bouche en haut. Puis là, pensez à la lettre M. Il y a un petit mouvement musculaire très, très subtil qui se fait comme si la bouche, elle se préparait à faire le M. Fait que c'est très, très proche. Puis il y a plein de projets fascinants qui s'en viennent avec ça. Même des tentatives de modéliser des IA pour qu'ils aient des voix intérieures. Qui c'est qui fait ça? Pour qu'ils puissent avoir des pensées subjectives. Ben voyons. C'est moi, Wolverine! Donc, c'est sûr que, tu sais, je parlais des dérèglements tantôt, juste pour terminer. Oui, pour terminer. Tu sais, il y avait les ruminations mentales, justement, les pensées récurrentes négatives qui sont liées à l'endo... Tu sais que, justement, est-ce que ceux qui n'ont pas... ceux qui souffrent d'endophasie, qui n'ont pas cette voix-là intérieure, est-ce qu'ils ont
quand même des ruminations mentales. Comme les vaches? Est-ce qu'ils prennent une autre forme? Ben, rumination, c'est ne plus finir de digérer, justement, quand tu rumines. La vache rumine parce qu'elle prend l'herbe, elle le met dans un intestin, dans un de ses estomacs. La calice. Elle en remet dans sa bouche, elle remange, fait qu'elle finit jamais comme de digérer. C'est ça, la rumination. À quoi pensent les vaches, des voies internes? Puis même la schizophrénie, justement. Est-ce que les vaches rêvent? Ben oui. Elle rêve quoi? C'est sûr qu'elle rêve. Comme les schizophrènes qui ont une voix intérieure intrusive, souvent, dans 50 à 80 % des cas, ils vont dire que cette voix-là est considérée comme étant extérieure à eux, non pas extérieure. Okay. J'avais plein de cas pathologiques fascinants, mais on gardera ça pour la prochaine fois. Ah, ben oui. Peut-être pour toujours vivant. Merci beaucoup, Nicolas. Un plaisir. Merci, Nicolas. Les voix dans la tête n'ont plus aucun secret pour moi. Je pensais que je suis schizophrène, mais finalement, un cas réglé. C'est un spectre, la schizophrénie aussi. Peut-être tu l'es un peu. Qui sait? On ne sait pas. On va continuer avec, moi. Vraiment, toi, là. En garde! Ah, toi, là. Allez, mon salaud. Ça vient chercher quelque chose d'enfantin. Ça fait tellement longtemps. Qui ont l'air le fun de jouer avec, Joanne. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là, Maxime. Ah oui, hein. Tantôt, je vais te pogner à la queue. Là, puis... je vais te rentrer tout de suite. Non. Puis, c'est quand même, j'avais pas vu qu'au centre. Oui, il y a une autre phase. Il y a comme un gap. Là, tu rentres dans la phase 2. Là. Tu sais, c'était rendu là. Je sais que je me suis pas rendu à la phase 2. T'es loin, là. T'es resté phase 1. Oui. Fait que voilà. Bon, alors, Julien, t'avais une chronique avec, pour nous. Moi, oui, non, mais c'est moi qui... Oui. Alors, je vous entends souvent parler, là. Ouais. Là, vous êtes là, puis... Julien, t'es beau, j'aimerais ça te sucer, m'asseoir sur ta queue. Non. Ta belle petite queue. C'était tellement... Ça, je pense que c'est des pensées intrusives. Tes chroniques sont pas bonnes. Ah, elles sont pas bonnes, tes chroniques. Mais t'es tellement beau, mais non, pas... Fait que là... Personne dit ça. T'es sûr? Fait que je me suis dit, OK, c'est bon. Vous voulez pas de chronique de Julien? OK. Je vais faire une chronique d'Étienne. Oh! Ah. Oh! Là, oh! Là. Je vais juste me changer en Étienne. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de la saïeule. Oh, OK. Ah, c'est vrai, la prophase. Ah oui, t'es rendu dans ta phase costume. Oui, ça se peut-tu, ça? C'est ta période où t'aimes ça te déguiser. Oui, j'aime bien. Bon, qu'est-ce que t'as amené pour ton costume? Cosplay. Une chemise de lin? Non, c'est un T-shirt. Okay. C'est un T-shirt. Ah, ben, Étienne, oui, il met ça. Étienne a des T-shirts. Eh, mon Dieu, attends, c'est long, mettre ton T-shirt. Je pensais que ça allait être moins long. Ben oui, mettre un T-shirt, non, mais c'est ça. Il y a quand même du beau détail. On sous-estime souvent... Là, ben, un t-shirt de Batman. Mais des t-shirts de super-héros, il me semble. Ben, plus vraiment, à cette heure, il est chemise de lin camisole. C'est vrai. Ben, je pense que c'est le look d'été. Ah, ouais. Quand l'enseignement va revenir, ça va c'est revenir. C'est vrai qu'il met des chemises de lin et des camisoles. Ben oui. C'est, ça n'a pas rapport, là. T'as l'air de. Non, mais c'est les cheveux d'Étienne. Ouais. T'as plus l'air de toi. Mais okay. C'est ça, c'est comme... C'est super, Julien. Non, non. T'es entré ta nouvelle phase. Alors voilà, alors c'est ça, là, vous voulez-vous plus de chroniques de Julien? Des chroniques d'Étienne. Écoute, on va te laisser on va te laisser aller, puis on... Oh, tabarnak. Fait que... Alors, je suis allé faire un petit tour sur Facebook... puis j'ai rapaillé des petits commentaires, ça et là. Oui. C'est vrai qu'il parle comme ça, Étienne. Oui, ouais, non, ben, je ne ferai pas la voix d'Étienne. L'immersion parce que... est là. Oui, quand même. Parce que là, je parle souvent des Looney Tunes. Bon, j'allais chercher ma Vous ferez le meme. Maman, je veux un Étienne Forêt. Non, on en a déjà un à maison. Étienne Forêt à maison. Ouais. C'est ça. Bruno, c'est plus. Bruno Marotte fait. Auto dans Simpson. Étienne Forêt sur Wish. Ouais. Ou, tu sais, Drake, tu sais, que là, c'est Étienne Forêt, puis là, après ça, c'est Étienne Forêt, là, puis il est comme. Oui. Tu sais, là. Non, ça, c'est pas ça. C'est ça ta chronique? Non, c'est pas comment. Il est plus organisé que ça, Étienne. Pas commencé encore. Fait que là, OK. C'est ça, tantôt, il fallait que tu ailles chercher. Oui, c'est ça qu'il fallait chercher, Nicky. Est-ce que le pénis, il marche sur le. Tactile? Je vais faire le test pour vous. Bonne question. C'est tactile avec Apple. Non. J'ai presque ma chronique. Ça aurait fait un bon stylet. C'est quoi qui fait que ça l'est?
On a parlé souvent à l'émission que les jeunes ne semblaient plus connaître Looney Tunes. Je ne sais pas si on est les Looney Tunes. Oui. Je ne sais pas si on est arrivé à une conclusion en fait, à ça. En fait, veux-tu savoir quelque chose de très drôle? Bien sûr. Ah. Ça part de mon podcast avec... Maire de Laval. Maire de Laval. Et sais-tu quel jour c'est sorti? Aujourd'hui, j'imagine. Le 4 août. Ah ben, 2021, le lendemain de la mort de mon père. Mais là, les gens ne vont pas écouter ça le 4 août, mais là, aujourd'hui, on est le 4 août. Je me suis dit, bon, OK, là, ça fait plusieurs fois qu'on parle que les jeunes ne connaissent pas les Looney Tunes. Mais qu'en est-il des vieux? Est-ce qu'ils connaissent les Looney Tunes? Je tendance à croire que oui. Tu sais, sur Facebook, on est toujours un peu dans notre echo chamber, puis tout le temps le même monde qui parle, tout le temps. Mais tu sais, il y a le... Ouais, c'est ça. Mais il y a... C'est tellement universel. Mais tu sais, tous les groupes de boomers qu'on va pas, sauf Étienne, moi... C'est pas un boomer, là, c'est trop jeune. Ça ne sera pas long, là. Étienne, c'est un X. Ben, en tout cas, qu'importe. Là, tous ces groupes-là là, de gens comme qui ont l'air tout un peu... j'allais dire des mots qu'il ne faut pas dire. Ouais, c'est ça. Qui ont l'air tout pas très intelligents, qui parlent là, sur des sujets niaiseux. Ouais. Genre, vous souvenez-vous de ça? Puis là, c'est Bugs Bunny, tu sais. Puis là, ben oui. C'est genre... Puis là, je me suis dit, si les jeunes ne connaissent plus les Looney Tunes, est-ce que les vieux... Oui, ça, tu l'as dit, là. Est-ce que les vieux connaissent ça? Alors, je suis allé vérifier à la source et j'ai ramassé les meilleurs commentaires sous une discussion là-dessus qu'on trouvait dans Souvenir Jeunesse, un groupe public de 500 000 membres. Oh! Quand même! Alors voilà. Fait que là, toi, t'as publié Bugs Bunny ou t'as... Non, j'ai rapaillé des commentaires... Sous quel statut? Sur Bugs Bunny. Ben, sur les Looney Tunes en général. Ouais, OK. Alors, d'abord, Ginette Favreau dit... Ah non, c'est ça. Excuse-moi, il manquait la question. Quel est votre personnage préféré, sauf... c'est un peu... C'est où la question? Tabarnak! Hey, Étienne! C'est comme un boomer qui essaie de... En tout cas, c'est genre... Bon, ben, j'ai oublié de copier-coller la question, mais c'est genre... C'est quoi votre personnage préféré des Looney Tunes? Bon, ben, De eux autres, là, parce qu'ils savent pas, ils savent pas le mot Looney Tunes. Bon, OK. Fait que voilà. Alors, il y a Ginette Favreau qui dit Jeannot Lapin. Jeannot Lapin. Michel Marchal qui dit Bugs Bunny. J'ai toujours aimé quand il mangeait sa carotte. C'est-tu des vrais commentaires? C'est des vrais commentaires. C'est des vrais commentaires. OK. Susan Harris qui dit Bugs Bunny à cause qu'il dit toujours quoi neuf docteur. C'est vrai. Mon Dieu. C'est factuel. C'est là. Oui. Mario Prof. Mario Prof, c'est. Qui dit Bugs Bunny, entre parenthèses, petit lapin en kikineur. Franchement. José Castonguay qui dit Bug Bunny, il est toujours de bonne humeur. Ça, c'est du monde pas intelligent parce qu'il aime Bugs Bunny, ouais, c'est ça? C'est ça, c'est ton point. Evelyne Henry qui dit moi, j'aime Bugs Bunny, puis il est drôle. J'aime Bugs Bunny parce qu'il est de bonne humeur. Il y en humeur, a pas qui aiment Marvin? Ça va venir. En fait, je vais bientôt vous poser une question. Et Kevin Côté qui dit le gros Minet, à cause qu'il fait des gaffes, il me fait rire, Tweety Coyote, il a toujours faim. Il est jamais capable de rattraper des animaux. Bugs Bunny, il est toujours de bonne humeur. Bon. Il est toujours de bonne humeur, Bugs Bunny. Ah, ben, on dirait que toi, quand t'es lit, tu fais un ACV. Oui. Je fais des lits du mieux que je peux pour respecter. Oui, oui. Mais c'est comme je peux pas. C'est Bunny, B-O-N-Y. Bunny. C'est ça. Sinon, ben, selon vous, quel est le personnage préféré des gens en général? Taz. Non, pas du tout. De Au-delà des Looney Tunes? On pensait un petit peu à Outside the Box. Dans les Looney Tunes? Ouais. Dans les Looney Tunes. Outside the Box. Outside the Box. Ben, Pépé? Exact. Ouais. C'est ça. Hein? Puis pourquoi vous pensez qu'il aime tout Pépé le Pew? Parce qu'il est cancel. Fait que c'est genre...
de loin, tabarnak, avec peut-être Tweety puis Bugs Bunny, là, c'est Pépé Le Pew que le monde... Les gens aiment des choses par opposition à quelque chose qui a été... Personne n'aime Pépé Le Pew. Anyway, quand j'étais jeune, j'écoutais les Looney Tunes, là, on n'avait pas de notion de ce que Pépé Le Pew fait, c'est pas correct. Là. Puis c'était plate, les Pépé Le Pew. Ben oui, moi, j'haïssais ça. Là. J'aimais le coyote. Là. Ouais, moi, je voulais savoir à quoi c'était une moufette. Ça me faisait rire. Ouais, mais c'était... poche, là, c'était tout le temps lui qui croise une chatte, puis tu sais, c'était juste plate. Là. J'avais fait un texte là-dessus dans la presse, justement, parce qu'il disait que la Gen Z avait cancel Pépé Le Pew puis tout ça, puis c'est même pas ça qui s'est passé pour vrai. C'est un dude qui a suggéré, puis il avait raison, là, tu sais, qui a suggéré que ça faisait partie de la culture du viol et tout ça, mais il n'y a pas eu de, tu sais, c'est juste qu'eux, ils ont fait ah, oh, tu sais, la scène dans Space Jam, là, ils ont fait ah, oh, la scène, tu sais, ben finalement, elle n'était pas si importante que ça, puis j'ai essayé de trouver, il n'y avait aucun Gen Z, il n'y a personne qui était en tabarnak contre Pépé Le Pew, personne qui a essayé de le canceller. C'était que des articles de journalistes millennials qui disaient que c'était juste ça. Selon mes recherches, Murphy, c'est effectivement des vieux qui s'insurgent plus. Alors, Éric Genet dit « On les aimait tous, mais c'est tellement stupide qu'il ait retiré le putois pour ne pas offenser les petites natures. Oh. » Bruno Drangner-Lévesque c'est la faute de femmes à cause des viols. Il chiale. Les viols, c'est la faute des femmes, c'est ben, ça? On va pas s'étaler là-dessus. Là. Je répète ce qu'il dit. Hey, man, donnez-y un coup de livre de Susan Brown de Miller derrière la étrale. Tête, man. Ouais, toi là. Bing! Bruno Drangner-Lévesque là. Non. Oh! Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, non, ça cogne. Peut-être que tu vas leur trouver d'autres usages. Ils chialent pour des niaiseries à la télé et surtout des dessins animés, mais ils n'ont pas chialé pour LeBron James dans Basket Spatial quand il est à côté des Goonies du Orange Mécanique qui sont les plus violeurs du monde. Hein? Les gens sont hypocrites. Ben, parce que dans Space Jam 2, ils ont mis tous les bonhommes de Warner. Il y a genre le gars d'Orange Mécanique. Mais bon, okay. Il n'interagit pas avec les autres dans le film. Puis... Ben, je veux dire, c'est parce que là, rendu là, tu prends soin en tabarnak pour pour sauver l'honneur de Pépé Le Pew. Et aussi, c'est pas genre. Pour éviter de te remettre en question. Mais... C'est pas, mettons, la culture ou whatever, c'est les femmes. Mais moi, j'aimais beaucoup Speedy Gonzalez aussi quand j'étais petit. Il y a rien moins. Mais Speedy, ils l'ont réintégré. C'est Disney, ça. Ouais. Ils l'ont réintégré parce qu'ils ont. Ça a l'air que finalement, les Mexicains, ils l'aiment full. Ben oui. Les Mexicains sont hot. Ben oui. C'est cool. OK. Daniel Deceve dit « Éric Genet en 2021, mon chat s'appelle Pépé Le Pew en son honneur. Oh. » Et cette personne-là a réécrit le même commentaire 5 fois dans tous les commentaires. Justine Gagné dit « J'ai aimé tous, mais surtout celui qu'ils ont enlevé, Pépé Le Putois. Oh. » Mélissa Lafrenière « Pépé Le Personne Putois. » Aime Pépé Le Putois. Pépé Le Putois parce qu'il est toujours très niaiseux quand il essaie de trouver l'amour et à la fin, il est tombé dans des gaffes. T'sais, c'est sûr que si Pépé, dans des... si Pépé avait pas été cancel, on aurait zéro eu son nom. Il aurait eu zéro Pépé. Zéro, peut-être la madame que son... Ça aurait été genre Tweety, le Coyote, puis Bugs Bunny, mettons, je pense. Ouais, ouais. Ça, c'est un cas de... Comme les Jeux Olympiques, Tweety. Là, c'est genre... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... Ah, ouais. C'est, tu sais... Il n'y a pas de fan de Daffy Duck. Moi, j'ai fait une sélection. Là. Il y a quelques fans de Daffy, fais-toi en pas. Mireille Leboeuf dit non, c'est pas intéressant. Daniel Deceve, Éric Genet, c'est pas comme dans Les Simpsons. Homer n'a plus le droit d'étouffer Bart. Ben, en fait, ça, c'était aussi, ça a été démenti. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, Homer a dit en joke une fois que. Il n'a plus le droit de l'étrangler. Les temps ont changé, mais c'était une joke. Puis deux saisons plus tard, il l'étrangle encore. Bon. Éric Genet dit, Daniel Deceve, effectivement, il faut être faible d'esprit pour dire que c'est nocif. Éric Genet, Daniel Deceve, ou dans Les filles de Caleb, ils ont retiré l'émission où Roy Dupuis a la face maquillée en noir pour l'Halloween à cause d'un blackface dans le même genre que quand Trudeau l'a fait. Ça a causé un scandale. Hey, la question étant, c'est quel ton personnage de Bugs Bunny préféré? Ouais, ben c'est ça. Aussi. Ramener ça. Ramener ça à Roy Dupuis, fille de Caleb. Daniel Deceve est bonne. C'est comme la dame sur le sirop d'Aunt Jemina de mon enfance. Ouais. Elle avait l'air sympathique en plus. Oui, on est rendu. Les gens sont pas assez conscients que genre.
dans pas si longtemps que ça, là, tu sais, il n'y aura plus aucun souvenir de nous. Nos villes vont avoir disparu. Les montagnes vont être érodées. Genre, il n'y a rien qui est là pour rester. Fait que, genre, pépé. Agrippe-toi parce que il n'y a rien de ce que t'aimes qui va durer. Là. Tout va disparaître. Y compris Pépé Le Pew. Ben lui, c'est déjà fait. Tu sais, pour vrai, là, s'offusquer de genre, hey, ils ont changé la madame sur le sirop. Ben oui. Je m'en contre. Encore là, mettons, là, t'es un archiviste des dessins animés. Ouais. Ils sont tous sur YouTube. Ben oui. C'est bon. Je voulais des enfants, mais quand je regarde ça, je veux pas leur infliger ça. Ben, j'aurais infligé un monde où Pépé Le Pew. Ben voyons, là. Ben fais-en pas, là, d'abord. C'est sa raison pourquoi elle n'a pas eu d'enfants. Ben, semble-t-il, selon ses dires. Julie Gagnon, Éric Genet, aujourd'hui, les épisodes de Bob Graton, ça passerait plus non plus. Ben, aujourd'hui, continue à jouer quand même longtemps. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Les hommes sont très sensibles. Oh, c'est rendu que les films, ils jouent à TV 50 fois par année. Là. Bon, peut-être que là, ça revient un peu toujours au même. Là. On va. On sait plus. Oui, là, Rock et Belles Oreilles. Non, pas les Teletubbies, tellement plate et laid. Oui, les émissions des années 80, d'accord avec vous. Même Teletubbies, ça fait longtemps. Hein. Patricia Cucumel qui dit « Le skunk Pépé qui prend une minette pour une femelle skunk. » Il y a une Charest qui dit « Mais où est Pépé les Pew? » Ben, il y a 80 commentaires avant, là, je te dirais. Yeah, bon. Jacques Auger, Pépé Le Pew, c'est le plus cool de la gang. Alors voilà. Kevin Côté lui dit ça me manque, où 9N peut les retrouver. Ouais, ouais. Sur YouTube. Mmh, mmh, mmh. Toi, t'as compris? Guillaume Kenville dit Roadrunner, parce que. ça lui appartient. Ouais, c'est ça. Il garde ses raisons. Diane Messier dit « Toute la gang sans explication. Supprime pas mon commentaire. Supprime pas. » Puis le S de « pas », c'est un signe de pièce aussi. Annick Tourigny qui dit « Lola », mais c'est une photo de Babs dans les Tiny Toons. Puis Lola, elle n'existait pas quand elle était jeune. Ouais. Annie Lapointe dit « Titille trop mignon. » Stéphane Perron dit « Picsou ». Le sacro. Il est pas dans le loup des tours, Picsou. Moi, c'est Picsou. Picsou, il est là. Puis là, c'est à quoi Stéphane Perron dit Picsou n'est pas un personnage des Looney Tunes. Balthazar Picsou est un personnage de fiction de l'univers des canards des studios Disney, créé en 1947 par le scénariste dessinateur Carl Barkson. Ben, c'est Carl Barks, en fait, mais bravo, André, t'étais pas loin de. Et en terminant, Mario Prof dit « Les gens ne savent pas lire votre question, peut-être souligner ou mettre en gras l'essentiel. Ah? » Ben oui. Alors voilà, donc, peut-être que les jeunes ne connaissent pas les Looney Tunes, mais les vieux s'en rappellent. Ah. Mais de ce qu'ils s'en rappellent de ce qu'ils désirent. Ça sera toujours dans leur mémoire. Ça me fait plaisir. Wow. Wow, what a tao. Ah, il y en a son... Okay. Julien... Hey! Hey, j'étais où? Je sais pas. T'as manqué toute une chronique. Hey, c'est vrai. Elle devait être bonne, hein? Oui! Oui, c'est ça. Moi, je tomberai pas dans le piège. Oui. Puis, sachez que j'ai averti Étienne à l'avance. Ah oui, tu l'as averti. Je voulais pas qu'il soit fâché. T'as demandé son autorisation. Ben, tu veux pas te mettre Étienne à dos. Non, c'est vrai. Je l'ai dit. Oui, c'est vrai. Je l'ai imagine s'il l'avait appris de quelqu'un d'autre en plus. Ah, c'est ouais, toujours pire, ça. Hey, Julien t'a imité. Ah ouais. Et Colin. Oui. Avec trois pénis devant lui. Avec un t-shirt de Batman. All right, Julien. Ouais, on est rendu où, là, dans cette émission-là? On est rendu à... Ouais, il a comme oublié qu'il animait. Non, mais parce que j'étais pas là. Ah, ouais, c'est vrai. On est rendu à Murphy, mais le temps commence à filer un petit peu. Pardon. C'est vrai, ça? Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. OK, ben check, je vais juste laisser tomber ma chronique que j'avais préparée. Ben, j'ai pas ça pour ça, là. Ben, non, mais je vais en faire une autre. Je peux en faire une très, très courte. Toi, Max, la tienne, es-tu bien longue? Moi, la mienne, elle est pas bien longue, là, mais... Fat job. Ah, OK, merde. OK. Mais il reste combien de temps, à peu près? Combien de temps qu'on tourne, Joe? 55 minutes.
Ben, je vais faire ça très rapidement, dans le fond. Je vais vous raconter un peu les trucs qui se sont passés dans... Un peu comme ce que j'ai fait sur Patreon, là, pour les gens qui ont vu mon petit vlog Patreon récemment. Je raconte des choses que je me dis, pourquoi je garde ça pour moi? C'est des péripéties qui me sont arrivées parce que ça m'arrive, puis je trouve ça drôle. Puis, tu sais, je vous le raconte des fois dans le group chat, mais bref, je vais faire ça vite. L'autre jour, je suis allé pour la fête de la sœur de ma copine dans Hochelaga. Votre hood à toi et Mathieu, toi, t'es-tu dans Hochelaga? Non, moi, je suis à la frontière. Ah! Dans le plateau Hochelaga. Oui. All right. Je pense que c'est le Bagatelle. C'est ça, le Bagatelle? Je connais pas le Niquette Bagatelle. Niquette est allée. Oui. C'est ça. En tout cas, bref. Et après ça, je suis allé au Renaissance et Village des Valeurs pour faire mon petit repérage. Puis j'ai trouvé plein de trucs. Et là, ma copine m'a demandé, pendant qu'on passait devant le Village des Valeurs, dans la petite sur Ontario, et là, il y avait des fenêtres sur Ontario, et là, il y avait des jeunes gens qui, pendant que je filmais ma copine en marchant, eux, ils couraient après moi, ils me regardaient dans la fenêtre, puis là, je les voyais courir du coin de l'œil, puis là, ils étaient comme « Murphy! » Puis là, ils me prenaient en photo, puis là, finalement, ils ont couru vers l'extérieur, et ils sont venus me repogner dehors, et là, on a pris des photos ensemble, et tout ça. Après ça, je suis rentré à l'intérieur, et là, j'ai fait mon petit fouillage, mon petit repérage, j'ai trouvé mes trucs, je suis arrivé à la caisse, et là, il y a un homme qui est venu me voir, puis il était un peu, je pense qu'il était comme dans la cinquantaine à peu près. Et là, il était un peu nerveux de son propre aveu. Là, moi, j'aime pas dire aux gens « je t'ai trouvé nerveux ». T'es de nerveux, hein? C'est nerveux. De son propre aveu. Il était nerveux et de me rencontrer et tout ça. Son langage interne. Ah oui. Oh là là. Et là, il me demande une photo et tout ça. Puis là, déjà, le line-up était fucking long là, dans les caisses libre-service et tout ça. Puis là, les employés étaient comme « Mon Dieu, mais est-ce qu'on a une vedette ici? » Blablabla. Puis là, en tout cas, j'étais comme « Ah, moi, ils font jamais ça quand j'y vais. » Ah oui? Je trouvais ça. Je trouvais pas les Olympiques. Je trouve toujours ça gênant un peu parce que, tu sais, quand les gens sont comme « T'es qui? » Puis là, t'es comme « T'es obligé d'expliquer. » Puis t'es comme « Oh, man. » Puis là, c'était, ah ouais, ouais, c'était ouais, juste ça, comme, c'est la ça me supplique? Ben non, okay. Je zone out. C'est ça que je me disais, parce que zone out, je zone out. Je sais pas, non, Google. C'est ça, parce que j'ai pas envie de commencer à expliquer qui je suis. Puis ouais. Bref, là, le gars, il prend sa photo avec moi, puis tout ça. Puis là, tu sais, j'aime pas ça, faire une scène. Tu sais, moi, j'aime ça. Les gens qui me connaissent, parfait. Les autres qui me connaissent pas ont le droit de pas me connaître. Genre, tu sais, j'ai pas envie d'imposer ma notoriété sur les gens qui, tu sais, comme... chemine par toi-même. Si t'as pas envie de savoir, si t'as envie de t'intéresser à moi, vas-y. Mais asti que j'aime pas ça, imposer ça t'es aux pas gens. T'es pas du genre à arriver quelque part puis dire « C'est vous qui je suis! » Non, mais il y a des gens qui sont un peu, tu sais, qui rentrent dans un commerce, serrent des mains, puis blablabla, puis tout ça. Bref, le gars... Puis là, le gars, il parlait à ma copine pendant que j'étais en train de payer mes achats, puis tout ça. Puis là, il dit... moi, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok, hein, puis en passant très gentil, là, je suis pas en train de parler contre lui, là, tu sais, c'est juste une anecdote que j'aime beaucoup. Puis là, il dit « Ouais, fait que là, je le fais-tu? Ah, je le fais. » Puis là, il fait « Ah, oh, je pense que je vais le faire. » Puis là, il se met à chanter. Mais très belle voix, mais il se met à chanter à super fort pour moi dans le village des valeurs. À marée basse. Déjà, j'étais gêné. Qu'est-ce qu'il chantait? Ouais, quel je me rappelle chanson, pas. Hey, je me rappelle vraiment mais pas. Ça s'est passé tellement vite. C'était comme une chanson de crooner, là, je pense. Ah. Fait que tu sais, il y avait vraiment une belle voix et tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme... Il chantait du System of a Down. Oui, oui. J'ai bien entendu. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ben là, je suis sorti, puis là, je suis allé, on s'est rendu jusqu'à la station de métro. Attends, je veux juste dire, vas-y. Ça me gênerait terriblement si quelqu'un se mettait à chanter. Ah, c'était... Je suis pogné au 15 du village des valeurs. Comment tu réagis à ça? Je ferais, merci, je suis faux, faut que je m'en aille. Ben, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que ma vie est déjà assez surréelle comme ça en ce moment parce que, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça. C'était en montagne russe, mais là, en ce moment, tu sais, je suis tellement comme submergé de gens qui viennent me parler à tout bout de champ que je suis dans cet état d'esprit-là en tout permanence. Tout peut arriver, puis ça va, tu sais. Puis là, après ça, j'arrive à Pinneuf, à la station de métro. Là, je descends, puis il y avait comme une affaire avec les Alouettes au stade olympique. Je pense qu'ils donnaient des hot dogs, puis je sais pas ce qu'il y avait exactement. Là, il y a un père de famille avec ses deux enfants que je les croise dans le...
l'escalier roulant. Puis là, moi, je descends. Et là, le père était resté dans l'escalier roulant. Il ne descendait pas. Puis ces gars sont descendus en vitesse et sont venus me voir. Et ils m'ont demandé une photo. Mais là, ça, quand ça arrive, quand les enfants viennent à moi et qu'ils me demandent une photo, et que les parents arrivent pendant que... Oui. Puis là, je suis comme... Oh, man. Là, je suis comme... Là, ça a l'air d'être toi qui leur a demandé une photo. Puis là, je suis comme... Puis là, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Là. C'est très, très gênant. Parce que là, moi, je suis là... Non, mais si t'étais patoff, ça arriverait. C'est vrai, c'est vrai. Puis là, je suis là... Puis là, tu sais, moi, en plus, tu sais, comme certaines personnes, tu sais, très simples d'esprit, aiment beaucoup s'imaginer que j'ai un look de crackhead. Oui, oui, fait que, tu sais, ça aide vraiment pas. Ouais, les préjugés. Fait que ça aide vraiment pas. Ah, ouais, et là, je suis là avec deux petits gars qui sortent leur téléphone. C'est des enfants, là, à la base, ils sont même pas censés avoir des téléphones. Puis là, ils struggle à essayer de trouver le truc. Puis là, moi, je suis là. Puis je suis comme, j'attends. Puis là, je suis comme, prenez votre temps. Puis là, je souris, tu sais, pour... Là, tu dis, on va prendre la photo avec mon sel. Donnez-moi vos numéros. Je vais vous les envoyer après. Tu devrais peut-être prendre des bonbons pour ces moments-là. Pour vrai, la situation... J'ai compris des condoms. Non, des bonbons. Mais tu sais, pour vrai, c'est une situation... Même si c'est super... je sais pas, là, c'est bien correct, là, ce qui est en train... Oui, oui. Mais c'est comme ça à ligne d'avoir l'air fucking weird. Là, t'as pas des enfants qui vont à toi? Ben non, jamais. C'est parce que, tu sais, je suis pas... Tu sais, oui, je suis très connu, mais je suis pas, genre, pas pour un moi. Parent. Non, non, c'est ça. Je suis pas, genre, Charles Lafortune. C'est pas, genre, comme, tu déclic tout de suite, genre. C'est ça, là. Puis là, fait que là, le père arrive, puis là, il fait comme... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah ouais, c'est ça, là. Je le gars, il est shapé comme un joueur de foot, là. Là, j'étais comme... Ouais, mais non, j'ai zone out. J'ai zone out parce que là, j'étais comme... Là, j'étais comme... Non, 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 non. Là, je suis comme... Moi, je sais ce qui se passe. Zone out, ta tête baisse. Non, j'attendais. J'attendais. Mais non, non, c'est vrai, je me suis retourné vers ma copine. Puis là, j'ai fait comme... Peux-tu tenir telle affaire? Puis tout ça. À go, on sauve. Puis là, ils sont comme... Mais papa, c'est... Puis là, il fait... Ah, ben oui! Ben, hey, c'est... Ben oui, c'est Murphy! Puis là, j'étais comme... Ah, oh, phew! Là, il m'a reconnu, mais j'étais comme... Ah, tabarnak! Mais ça m'est arrivé une fois au Dollarama sur Wellington. T'expliques qu'il était une véritable carte de mode. Comment? T'expliques qu'il était une véritable carte de mode. Oui, mais c'est vrai que c'est puissant à expliquer à chaque fois. Mais c'est ça, c'est ça. Puis surtout quand... Là, c'est comme... T'as des enfants qui prennent leur temps, puis que là, t'es juste comme... Ah, oh, mais... Puis là, justement, ma voix interne était comme... ça spinait à mort. Ça spinait, puis j'étais comme... Parce que là, tu te mets à la place du parent, puis tu te dis, qu'est-ce que ce parent-là est en train de voir? C'est ça, puis là, je suis comme... là, je suis comme... Je comptais sur... Là, je suis comme, je peux pas faire cette charge mentale-là. Ouais, ouais. Là, je suis comme... Là, c'est leur job, à eux autres, mais je suis comme, mais c'est des enfants. Ouais. Fait que je suis comme, tu sais... Le volant, comme... il n'est pas dans tes oui, mains. Oui, c'est hein? ça. Fait que là, je suis comme... Ça m'est arrivé une fois devant le Dollarama, genre, puis c'était comme... Puis le père, je pense qu'il ne savait pas j'étais qui, puis là, j'étais comme... Puis là, cette fois-là, j'ai vraiment zone out, puis j'étais comme, fais pas ça, t'as l'air encore plus louche. Ouais, ouais, ouais. Comme... Mais là, mon réflexe maintenant, c'est de me retourner puis de serrer la main. What's là, good? Mais là, je suis comme... Mais là, en faisant ça, j'ai-tu de l'air du gars oh, ouais, c'est qui ça. Serre la main pour faire comme... J'essaye de vous amadouer, ouais, monsieur. De changer les apparences. Ouais, c'est ça. Hey, salut! Hey, je fais du crack, mais je suis sympathique. Aïe, aïe, mais c'est toutes des affaires auxquelles j'avais pas pensé avant. Ouais. Puis je suis comme, esti, je demande rien à personne, man. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ou des fois, c'est juste, mettons, comme, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis tu sais, qui veut une photo. Puis là, l'autre personne sait pas je suis qui. Ouais, ouais, puis là, il est comme, c'est qui ça? Puis là, je suis comme, tabarnak. Puis là, tu sais, c'est où, ouais, où genre... Là, le pire, c'est quand l'autre personne fait « Ah, tu connais pas... » Oui, hey, exact. « C'est une légende. Ouais. » C'est une légende. Puis là, t'es ouais, là, ouais, non. C'est la pire. Ça m'arrive aussi. Quelqu'un qui disait à son ami... Puis j'aime son ami. « C'est le ami, gars le plus genre. Drôle au monde. Ouais, » ouais. Je suis comme, je suis zéro drôle à ce moment-là. Là, moi, des fois, c'est arrivé, là, genre, il fait un personnage que c'est comme... Tu sais, c'est comme un humoriste. Tu sais, là, là, je suis comme, ouais, Claude Grèce, ouais. Ah oui, hey, c'est drôle en tabarnak, puis t'es comme, calisque à ce moment-là, il est pas le fun. Là. Ah ouais.
Fait que c'est ça, ouais. je vais conclure ça là-dessus. Ben, mais voilà. c'est pour vrai, ce genre de situation-là. Au final, j'aime continuer à le faire parce que ça me fait rire, mais Chris, que c'est. Le côté sombre de la popularité. Merci beaucoup, Murphy. Maxime, t'as pas beaucoup de temps. Parfait. C'est la chronique à Maxos. Mais c'est plate, il faut que je m'en aille. Hey, oublie pas ça. Toutes les timings. Je peux le garder en attendant. Ah non, ben au pire, je peux les garder, Maxime. Là. Non, mais regarde. C'est beau que vous avez eu le même cadeau. Bon, mais on va baby-sitter ces sondes urétrales. Mais c'est pour vrai. Hey, Deadpool, c'est Wolverine. Je pense que le téléphone sonne, Julien. Ah, pardon. T'as une job. Pardon, j'ai vu. Décidéraire. Oui, allô, c'est Pascalin DS. Pascalin DS, ça va? Oui, ça va bien. J'appelle pour faire ma critique du remake de Crash Bandicoot 2. OK. Yeah. Ben, t'avais débuté avec le 1, c'était rendu au 3. Là, on recule vers le 2. C'est ça, c'est parce que j'avais trop hâte de jouer au 3 dans le temps. Fait que là, je reviens au 2. Là. OK. Ben, on déjà, le 2, ce que j'aime, c'est que ça part avec une joke drette dans le titre. Trouvez-moi-en des jeux qui ont une joke dans le titre. Je m'en souviens plus, c'est quoi, mais tu me rappelles la mémoire. Mais il s'appelle Cortex Strikes Back. C'est quoi la joke? C'est comme un peu clin d'œil à Star Wars. Ah! Mais c'est pas ça. Ça vous fait rire! Ouais. Tu sais, le Strike Back, c'est un chime. J'ai dit, je suis déjà en train de rire, puis j'ai même pas joué au jeu encore. T'as pas joué au jeu, mais tu fais une critique. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, Crash, il est dans le jeu. Okay. Ils l'ont mis dans le jeu, Crash. Ils ont décidé de le mettre. Okay. Coco? Coco est là, mais juste en hologramme. Ah. Cortex? Est-ce que Cortex est là? Ben là? Il est dans le titre. Oui, mais il est là juste en hologramme. Ah, bon, OK. Ben, tu vois, il est dans le titre, il est juste en hologramme. Il y a beaucoup d'hologrammes dans le jeu. Bon, alors, je vais y aller avec ma critique. Ben, tout d'abord, j'ai trouvé ça drôle parce que il y a un des ennemis, c'est Tatou. OK. Et je trouve ça drôle parce que moi, je m'en vais justement me faire un tatou de Crash. Ah, sur le front, tu me disais. On me faire d'en face. Oui, c'est ça. Un Crash Bandicoot d'en face, puis je pensais même me faire le Total Cortex autour du trou de cul. C'est ambitieux. C'est sûr. Est-ce que c'est un plein de marde, Léon? C'est un vrai trou de cul. C'est un vrai trou de cul. Il est tout plein de marde. Oui. Tu me disais que tu allais chercher un emploi après ton tatou d'en face? Oui, je vais travailler pour Crash Bandicoot. On peut pas travailler pour Crash Bandicoot. Oui, je vais travailler pour Crash Bandicoot. Qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Ensuite, je tiens à dire que dans ce jeu-là, on est toujours en réaction à ce qui se passe dans le jeu. Oui. S'il y en a qui ont peur du sable mouvant, faites-vous-en pas, il n'y en a pas dans le jeu. Okay. Ah, ça me rassure. Mais c'est pas pire, il n'y en a pas dans le monde réel. S'il y en a, ils ont bien peur des sables mouvants. Quand on touche pas à la manette bien longtemps, Crash, il fait des actions. Il y a ça souvent dans les jeux vidéo. Ouais, Sonic fait ça, ouais. Oui, ça m'a fait rire parce que quand tu touches pas à la manette, à un moment donné, Crash, il joue au yo-yo. Ça m'a fait rire. Et aussi, sinon, des fois, il fait une petite danse. Puis ça m'a fait penser à Murphy Cooper. Ah ouais, mais oui. Parce qu'il fait ça de la petite danse. Ça, c'est très vrai. La petite danse à Murphy Cooper, c'est comme si Crash, il la faisait aussi. Ensuite, dans Crash Bandicoot 2, c'est l'arrivée des boîtes vertes Nitro. Ah, ça, il n'y en avait pas dans le 1. Okay. Ça, c'est que si tu leur touches, ils explosent. Oh, OK. On fait attention, mettons qu'on fait attention. Je me disais, si tu le touches, il explose un peu comme un joueur de soccer. Ah, ouais. Quand tu m'as dit que tu voulais te faire tatouer Coco, ça a été, c'est-tu vrai? Quoi? Quand tu m'as dit que tu voulais te faire tatouer Coco sur la queue, Coco, oui. La sœur de Crash Bandicoot ou tes noms lumineux. Non, c'est pas ça, je veux me faire faire non, une boîte Nitro verte. Ah, Nitro verte. Puis c'est parce que quand tu touches le pénis, il explose. Bon. Ensuite de ça, je trouve le jeu, il est super bien fait. Par exemple, quand tu vois une boîte, là, vraiment, tu sais que c'est une boîte. C'est pas pire. Bon. Sinon, à un moment donné, il y a un tableau, il se passe l'hiver, et là, il y a des otaries, des phoques qui glissent vers toi, et là,
Là, j'étais sûr que j'allais mourir, mais finalement, je suis pas mort. Et là, j'ai dit, coudon, on va aller m'acheter un billet de 6,49, mais j'ai pas assez d'argent. Ah. Mais il était tout ça coûte cher. Dans les points négatifs, au début, Cortex, il apparaît un hologramme, puis il t'a dit qu'il faut que tu trouves 5 cristaux. Mais là, quand t'en as 3, là, il apparaît, puis il dit, oh, c'est pas mal, mais on se reparlera quand t'auras 5 cristaux. Là, j'ai trouvé que ça n'avait comme pas rapport. Parce, ouais. T'sais, je sais qu'il me faut 5 cristaux. Non, là, il apparaît à 3 puis il dit, ah, oh, c'est pas mal, mais on se reparlera à 5. Le jeu fonctionnerait pareil, même s'il n'y a pas. Mais j'ai comme trouvé ça niaiseux. Non, c'est vrai, t'as raison. Sinon, il y a Ripper Roo qui est là encore. Ripper Roo! Lui, il est fou. Il est fou. Il met du TNT partout. Non, je vous le dis, il est fou. Mais là, moi, j'ai compris. J'ai dit, je vais mettre ça à son désavantage. Ah! Oh, ben oui, c'est pas bête. Oui. Et pour terminer ma critique, des fois, il y a des hippopotames. Et si tu regardes attentivement, tu vas voir, en arrière de l'hippopotame, il y a des petites bulles qui sortent de son trou de cul. Ah! OK. Bon, ça, c'est une critique, ça. Oui, alors je donne 10 sur 10 à Crash Bandicoot 2. Ben, il y en a un 4, hein? Ah, ben, hein? Il y a un 4! Il y a un 4. It's about Crash time. Crash Bandicoot 4! Oui. Ben, peux-tu finir avec le rap de Crash Bandicoot, s'il te plaît? Crash Bandicoot, c'est Crash Bandicoot! Il faut sauver Wanda, c'est l'île de Wumpa! Merci beaucoup, Pascalin. Ça fait plaisir et surtout, n'oubliez pas la tarnade de Crash Bandicoot! Non, on l'oublie jamais. Je suis là pour nous le rappeler. Bye bye! Bye! C'était Pascal DS qui nous a fait sa critique de Crash Bandicoot 2 du remake, sans doute. Maxime! Hey, j'espère que j'ai pas manqué ma chronique. Il y a eu une chronique d'Étienne, il y a eu une chronique de Pascalin. Ouf. Ben voilà, c'était Décidéré, on a plus merci temps. Tout le monde, c'était Décidéré, on a plus le temps. C'était Décidéré. Alors voilà, merci Maxime. Merci Julien. Merci Pascalin. Merci Murphy. Merci Nicolas. Merci Joe. Merci Mathieu. Le Tribal Chief, il est de retour. Le vrai Tribal Chief, il est de retour. Merci Eros. Merci Jonathan. Bye bye. Ah, puis on continue avec Toujours Vivant, cette petite genre. Décidéré. À chaque semaine, je vois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion. Plus d'explosion.